Coucou tout le monde, ici Greto, j'espère que vous allez bien. Ici on se retrouve aujourd'hui pour du Starfield, première vidéo que je fais sur Starfield. Et on est parti, je suis en plein dans ma progression. Et j'ai une trentaine d'heures de jeu au moment où je fais cette petite vidéo. Et on s'apprête à partir sur une petite quête de faction, tranquillement. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas Starfield, bon j'imagine que c'est pas forcément le cas, mais on est sur le tout nouveau RPG de chez Bethesda, donc nouvelle licence après The Elder Scrolls et Fallout pour le coup. Et pour le coup, on est dans un titre qui, vous voyez, on est dans l'espace en fait, hein, tout simplement. Et donc j'ai ma petite quête de faction qui est une quête, on va dire, qui ne fait pas partie de la trame principale, mais vous savez, dans l'univers des Fallout et The Elder Scrolls, les quêtes de factions sont très importantes en termes de narration. Et donc là, on va partir sur une quête de faction où je vais rejoindre un petit peu des pirates de l'espace. Et là, je dois à peu près m'infiltrer, entre guillemets, dans un vaisseau pour voler des éléments pour me permettre d'avancer dans la petite quête de faction. Donc je donne très peu de détails exprès pour ne pas trop vous spoiler, même si forcément une quête de faction, je vais vous spoiler un peu. Mais dans les quêtes que j'ai à faire, entre guillemets, parce qu'en fait, je voulais pas forcément faire une quête de faction, mais dans les quêtes que j'ai actuellement, j'en ai pas trop qui prendraient un certain moment, qui me permettraient de revenir sur plein de points de jeu, parce qu'en fait, je vais profiter de cette vidéo aussi pour essayer de revenir sur pas mal de points du jeu. Donc une quête assez importante pour qu'elle dure un certain moment, et je crois que c'est la seule que j'ai où il y a un petit peu d'action vraiment prévue dessus. donc voilà. Ok. Donc, on contrôle le vaisseau, moi je vais me mettre... Alors, on est dans un jeu que... On est sur PC, hein. À la version PC. Si je joue clavier, souris, parce que c'est avec le périphérique avec lequel je suis le plus à l'aise. Pour tout ce qui est conquête spatiale, enfin... Contrôle de vaisseau, ça s'est fait à la manette, parce que clavier, souris, c'est vraiment pas foufou. Ok, donc on va s'amarrer au vaisseau sur lequel je dois rentrer, que je dois devoir infiltrer. Et on y va ? L'intégrité du SAS semble correcte. Ok, donc là, mon petit objectif, petit point bleu, l'objectif de la 4 qui est en haut à gauche. On a la barre d'oxygène qui ne sert de barre d'endurance en bas à gauche. Hein, vous voyez. Si je me mets à courir, j'ai la petite jauge qui descend. Donc à savoir que si j'utilise trop, elle vient dans le rouge. Et une fois qu'elle est trop dans le rouge, je commence à perdre des points de vie. Et en bas à droite, on a les armes que j'utilise avec les munitions, les grenades, la barre de santé, pardon, qui est la barre blanche et la barre bleue qui est une barre de pouvoir. Parce que oui, dans Starfield, on peut avoir des pouvoirs et je viens tout juste de débloquer le premier après 30 heures de jeu. Autant, parce que j'ai quand même fait pas mal de quêtes annexes, entre guillemets. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais juste vous montrer un petit truc. Dans les quêtes terminées, vous voyez, en fait, ça vous donne l'ordre dans lequel vous terminez les quêtes. À savoir que tous les carrés bleus, c'est des quêtes secondaires. Et encore, il n'y a pas forcément tout, parce que voilà, il y a des quêtes où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes, par exemple. Et en fait, les petites quêtes, le petit logo bleu et rouge, là, ça correspond aux quêtes principales. Donc moi, j'ai commencé par des quêtes principales. Je me suis un petit peu éparpillé, entre guillemets. Et ensuite, de quêtes principales. Et après, j'ai un petit peu vagabondé, on va dire. Fait un petit peu de quêtes un peu partout. Et on se retrouve pour la quête principale que j'ai avancée. Ah, celle-ci, je n'ai pas pu la faire, d'accord. Ok, donc il y a des activités que tu peux pas faire en fonction des choix aussi, parce qu'on est dans un jeu à choix. Et en fonction des choix que tu peux faire, notamment des factions, tout ça, il y a des quêtes que tu ne peux plus avancer. Donc, okay. Ça, comme ça, ce qui me paraît un petit peu logique. Ok. Donc en gros, pour tout ça, pour vous dire que j'ai fait pas mal de contenu annexe et au bout de 30 heures de jeu, moi j'ai découvert le premier pouvoir, voilà. Okay, bon. J'aime pas le froid, ça fait mal aux jointures et ça abaisse le temps de réaction. Est-ce que cette combinaison, on va éviter dans le mannequin, les combinaisons, elle est moins bonne que la mienne. A savoir que moi, un truc que je peux vous conseiller, c'est la quête Mantis. La quête Mantis qui est... en fait, qu'on peut récupérer très très vite en début de jeu. Là. Moi, je vous conseille de la faire. Moi, je l'avais commencé.
Je l'avais commencé, je m'étais arrêté à peu près à récupérer la... Je m'étais arrêté en fait. En fait, non, je l'avais pas commencé du tout. En fait, je récupérais la quête, j'avais dû faire la première étape. Mais je l'avais complètement lâché. Et vous pouvez voir que je l'ai faite au début. En fait, je l'ai commencé au tout début. Et je l'ai terminé, genre... j'avais déjà quasiment fait toutes ces quêtes-là. Donc en gros, c'est une quête que j'ai faite il y a pas très très longtemps. Ce qui vous permet notamment de récupérer une armure, un casque... et un jetpack, parce qu'on a des jetpacks aussi, et notamment un vaisseau. Donc c'est une quête que je vous conseille de faire, en plus une quête qui est plutôt sympathique, qui a un peu de combat, il y a un peu d'histoire, c'est vraiment une quête plutôt sympa. Donc la quête Mantis, je vous conseille vraiment de la faire en début de jeu lorsque vous la récupérez. Normalement c'est une quête qui vous est donnée au fur et à mesure, enfin dans les premières quêtes, c'est une quête qui vous est donnée dans l'histoire. Donc il n'y a pas besoin de, comment dire, de chercher pendant 3 milliards d'années cette quête, enfin, vraiment les donner sur votre chemin, une fois que vous avez fait 2-3 quêtes principales, il me semble. Enfin te voilà. Allez, mets-toi à table. Dis-moi ce qui se passe. Ça fait 3 ans que j'essaye d'attirer l'attention de Delgado. Et tu sais ce que c'était sa réponse ? Rien. Silence radio. Et d'un coup, sorti de nulle part, alors que Naïva et moi, on s'apprêtait à faire un coup du tonnerre, Delgado m'ordonne de t'aider. Donc vous voyez, hop, comme dans Elder Scrolls et Fallout, les choix dans les textes. Savoir que vous pouvez voir que la VF est pas trop mal, alors on a vu qu'un perso, mais la VF est pas mal du tout. Par contre, la synchro labiale, donc la synchronisation des lèvres avec la VF, elle est pourrie. Donc la synchronisation labiale est calée sur la VO. Pour le coup, la VO est pas mal du tout, mais pour le coup, des fois, de temps en temps, c'est aussi bien de parler de la VF. Enfin, je fais le jeu en VF parce que bon, de temps en temps, ça fait pas de mal, surtout quand elle est bonne, moi ça me dérange pas. Je suis extatique, tu veux dire. Mais il reste beaucoup d'inconnus. Et c'est les inconnus qui font des cadavres. Le message de Naïva dit que t'es là pour Dombrowski. C'est la seule raison pour laquelle t'es ici ? Ou bien il y a autre chose qu'on t'a demandé de voler ? Vraiment, c'est ça qui l'intéresse. J'arrive pas à croire qu'elle essaye de me doubler. Sans moi, j'ai fait une couille. Le trophée n'aurait jamais fini ici, de toute façon. Je voulais pas... Ah, merde. Je voulais pas, mais en tout cas, on va essayer de garder sous contrôle, elle celui-là. Elle t'a dit de me menacer avec ça, hein. Sale sorcière. Très bien, je vais t'aider. Mais c'est toi qui gères le travail sur le terrain. Et je garde ma part du butin. Enfin, on verra ça plus tard. Pour l'instant, on a d'autres chats à fouetter. Et puis... Pourquoi cibler un directeur de la Galbank ? C'est pas exactement les cibles habituelles de la flotte écarlate. Vaisseau marchand, transport, convoi de ressources, installation minière, tu vois le genre. Mais s'en prendre à une méga corporation, c'est autre chose. Et la flotte écarlate s'était tenue à l'écart d'eux jusqu'à maintenant. Ça peut vouloir dire que deux choses. Soit Delgado se sent acculé, soit il en a besoin pour un coup encore plus gros. Ah, je vois. On va pas trop lui en dire. On joue à ça maintenant. Très bien. Alors tu peux aussi bien tourner les talons et remonter dans ton vaisseau. Parce que tu t'approcheras jamais de Dombrowski sans mon aide. Il semblerait que nous n'ayons pas le choix. Nous devrions l'écouter. Donc là, c'est Andrea qui vient de parler, c'est l'un des compagnons que tu peux récupérer dans le jeu. Tu la récupéreras d'ailleurs aussi assez vite si tu fais l'histoire principale déjà. Et moi ouais, j'aime bien, donc du coup bah, je les garde avec moi. Tiens, tiens, tiens. Tu lis dans mes pensées, on dirait. C'est exactement ça. L'argent ne m'intéresse pas. Je veux réintégrer la flotte écarlate. C'est aussi simple que ça. Très bien. Si tu veux la jouer comme ça, libre à toi. Dombrowski est un habitué de la sirène des étoiles. Il passe plus de temps en croisière spatiale qu'à avancer sur ses dossiers. Heureusement, la sirène héberge le gala de charité de la Société de Préservation Terrienne. Larry sera incapable de résister à l'envie de se faire mousser pour obtenir ce qui t'intéresse.
Assiste au gala, parle à ses amis philanthropes et découvre quelle casserole ils se traînent. Oh non. Est-ce qu'on peut tirer sur les gens? Ou sur nous-mêmes, dans le pire des cas? Oh, pas la peine de t'exciter. Ce n'est que le début. Je suis sûr que t'auras encore besoin de mes conseils. Cette carte te donnera accès à la salle de réception. Si t'as besoin d'aide, je serai en train de me reposer dans l'un des salons du niveau supérieur. Vas-y, et mêle-toi à la foule. Personne n'aime Dombrowski. Ils seront plus qu'heureux de révéler tous ces sales petits secrets. Nice. Ah, je vois qu'on est fait pour s'entendre. Une dernière chose. Tous les vaisseaux de Trident sont équipés de systèmes acoustiques de détection des menaces à la pointe de la technologie. Si tu perds patience et décides de tuer qui que ce soit à bord, la sécurité sera immédiatement informée et ils ne reculeront devant rien. Bref, je pense... Donc il vaut mieux pas que je tue des gens. Pour commencer. Bonne chance. Découvrir l'emplacement du trophée, tuer Larry Dombrowski, ça c'est les objectifs optionnels, on va déjà terminer ça. Tant que tu te souviens que je dois avoir ma part, je veux bien t'aider pour tout. Où en est ton plan? Ok, laisse-moi t'indiquer la personne responsable du trophée. Elle s'appelle Sheila Holbrook. Tu devrais pouvoir la trouver dans la salle de réception, Firmament. À ta place, je la pousserai à t'indiquer l'emplacement du trophée. On pourra ensuite partir de là. Et si tu penses jouer de la gâchette sur cette pauvre demoiselle Holbrook, rappelle-toi que le moindre coup de feu déclenchera l'alarme. C'est une vraie question, là? Très bien. Pour au moins deux raisons. Primo, la Galbank protège les siens. Dombrowski, et ils enverront Eclipse après chaque petit rafio de la flotte écarlate. Je pense pas que ça plairait à Delgado. Deuxièmement, règle son compte à un employé de la Galbank, et toutes leurs succursales dans les systèmes occupés tripleront la sécurité dans la minute. Je suis pas sûr que ça t'aiderait dans tes... Donc là, avec la Galbank, il faut que je fasse gaffe. Parce que la Galbank, ils sont assez puissants, ils sont un peu partout, donc vaut mieux que je ne tue pas Dombrowski. Tant que tu te souviens que je dois avoir ma part, où en est ton plan? Ça. Un jour, je l'ai vu dépouiller. C'est ce que je viens de te dire. Bon, dis-moi. Ok. J'ai vu ça. Elle s'appelle... À ta place, je la... Et si tu penses... Voilà. Ils prétendent que leur objectif est de célébrer l'âme. Pour ça eux, en réalité. Au fait, évite les petits fours. Ils sont pas faits maison, c'est du surgelé. Donc deux choses. Donc d'une part, on doit récupérer des infos par rapport à la Galbank qui vont nous permettre d'arriver à un objectif prédéfini. Donc je vous en dis pas trop. Et dans le deuxième, on doit voler une espèce de statue pour de l'argent, tout simplement. Voilà. Le capitaine Rokoff vous a donné l'autorisation d'accéder aux zones réservées au personnel, mais ne touchez à rien. Moi je veux bien, mais par contre avec ma combinaison là, je passe pas forcément inaperçu. Donc voilà, donc moi, on peut jouer en TPS, mais la vue FPS fonctionne très très bien aussi. Ok, alors je vais juste revenir sur ma quête avec les différents objectifs qui me sont donnés. Quête de faction... Interroger les mécènes de la société à propos de Larry Dombrowski, et pour avoir un peu d'infos par rapport à lui. Tuer Larry Dombrowski, donc au final, en termes de... Ah, c'est optionnel, ça. Est-ce que je dois vraiment le faire? Il va falloir que peut-être que je sois discret, alors. Et parler du trophée à Sheila. Je pense qu'on va commencer déjà par le trophée. Donc là, je suis dans le quartier. On va éviter, hein. Ouais, c'est salle de réception Firmament, c'est là où il y a Sheila. Donc pour la statue, ça va être propre. On va éviter de voler, hein. Vous voyez le petit logo rouge là, à côté de ce qu'il y a dans, en termes d'équipement, on va éviter. Hein. En fait, est-ce que si je me fais choper, ça va être chiant. Suite à...
s'en fout. Malheureux accident. On a dû suspendre les sorties dans l'espace pour une durée indéterminée. Toi, je m'en fous de ce que t'es en train de dire. Ah, donc, c'est dans la salle de réception. Vous adressez à l'un des préposés à bord si vous avez des questions. Vous êtes ici en vacances ou pour affaires ? Ben, avec ma combinaison, je suis vraiment pas dans le ton. Petite combi. J'espère que tous les futurs événements de la société auront lieu à bord d'un croiseur. On s'était chez là, ça ? Quel splendide croiseur. La société ne se refuse vraiment rien. Son comportement envers les femmes est abominable. Cet homme devrait vraiment avoir honte. J'ai raté le trophée de peu l'année dernière, donc cette année, j'ai doublé mes contributions. Je croise les doigts. Profitez bien du reste de l'événement. Ok, là, il y a un PNJ qui est à moitié bloqué. La présidente, c'est vraiment surprenant. Dombrowski est marié à une pauvre femme qu'il abandonne constamment à New Atlantis pour partir en voyage d'affaires. Un plaisir de faire votre connaissance. J'aurais préféré un open bar, mais Trident a décidé d'extraire tout le surplus du consommateur. Au nom de toute l'équipe de Trident Luxury Lines, toi, tu me saoules. Bonjour, vous faites partie de la société ? Qu'est-ce qui vous amène ici ? Vous avez goûté les petits fours ? Larry est un cadre de niveau A à la Galbank, ce qui signifie qu'il peut accéder à n'importe quel compte en appuyant sur un seul. N'oubliez pas de faire un don pour la cause. Elle est venue, elle m'a poussé, elle. Larry adore lâcher des mots compliqués en pleine conversation. Il sait que c'est agaçant, mais il le fait quand même. Ok, donc ils ont un peu toutes les informations, faut que je trouve le bon. Bonjour, vous faites pas. Si nous tolérons la présence de ce Dombrowski aux événements de la société, c'est uniquement en raison de ses généreuses donations. C'est tout. Ok, donc il est pas très aimé, hein. La vue est absolument. Il passe beaucoup de temps avec Claudia Swift. Du temps bien occupé, si vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que sa femme n'est pas au courant. Ah ! Parler à Claudia Swift. Ok. Merci pour l'info. C'est d'un ennui. J'espère que tous les futurs événements de la société auront lieu à bord d'un croiseur. Que lui va être là. Le chef de cabine peut répondre à toutes vos questions sur la sécurité de vos objets de valeur. C'est important. Ah, je n'ai pas le temps à perdre dans des futilités. Oui, je suis extrêmement occupée par la préparation de la cérémonie. J'espère que c'est important. Donc, deuxième objectif. Effectivement. Si vous voulez tout savoir, il m'a même été confié 7 fois au cours des 9 dernières années. Pourquoi cette question ? On va essayer à... J'espère d'accord les noms du gagnant. Dans ma cabine ? Pourquoi je ferais quelque chose de... Donc c'est pas dans sa cabine, ok. Je vous ferai savoir que le trophée est bien à l'abri dans le coffre principal du chef de cabine. Voilà ! Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des tâches bien plus urgentes que parler à des gens comme vous. Ouf, ça fait mal. Qu'est-ce qui vous amène ici ? Ça fait mal à mon petit cocolo. Donc le coffre. Ah oui, il est là. En cas de confinement, merci de rejoindre votre cabine. Non, c'est pas le coffre. Ah non. Alors, je me disais bien aussi. Alors quand t'es perdu, tu peux utiliser le scanner. Soit t'as un scanner qui va te servir pour énormément de choses dans le jeu. Donc tu sors ton petit scanner. Notamment scanner les planètes, parce qu'il y a tout un aspect exploration qu'on ne verra pas dans cette vidéo, hein, bien sûr. Et donc, j'ai l'impression que d'ailleurs que je me suis planté de direction et qu'ils peuvent vous donner la direction. Voilà, donc en fait, vous avez ce petit fil d'Ariane que vous pouvez suivre pour vous rendre à l'objectif le plus proche, en fait. Voilà, tout simplement. En fait, faut que je descende. Il ne fallait pas que je monte ici. Je vais aller par là-bas.
Ok, donc faut un pass ou un truc pour accéder. Ou pas. Au vu de ce que le reste du vaisseau laisse entendre, je suppose qu'il y a des richesses incroyables. Pour accéder ici, il me faut la clé. Ok. Ravi de vous accueillir à bord. Bienvenue dans le bureau du chef de cabine, Mourad. Ah, voilà. C'est moi. Comment puis-je vous aider ? Oui, bien sûr. Ce coffre-fort possède des verrous magnétiques, et il est renforcé avec plusieurs couches de blindage résistant au vide et aux dégâts. Dans le cas peu probable où notre vaisseau se ferait aborder et que l'alarme de détection d'intrusion se déclencherait, le coffre serait scellé jusqu'à notre destination. Dans le cas encore moins probable où ce vaisseau serait détruit, nous vous garantissons que vos proches pourront récupérer tous vos biens intacts. Comme vous pouvez le voir, vos possessions sont en parfaite sécurité jusqu'à ce que vous décidiez de les récupérer. Je ne l'ai vu qu'en passant, mais je peux vous assurer qu'il est tout à fait exquis. Malheureusement, l'objet est enfermé dans notre coffre, et il n'est possible d'y accéder que sur présentation d'un ticket de dépôt. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous ? Ok, il faut que j'obtienne le ticket de dépôt. Dites bien à vos amis à quel point vous avez aimé votre croisière. On va remonter. On va déjà s'occuper du trophée, en fait. Ce sera plus simple, je pense. Et ensuite, on partira sur l'objectif vraiment principal pour lequel on est venu. Veuillez rester dans les espaces réservés aux passagers en toutes circonstances. Vous n'en avez pas fini avec ces interruptions malvenues. Je suis très occupée. On va éviter de, on va essayer déjà de tourner un peu autour du pot. Avant de lui poser la question. Le trophée ait lieu avant d'être arrivé en orbite à notre destination. Évidemment, si on ne cesse de m'importuner, la cérémonie n'aura peut-être même pas lieu du tout. Pas du tout. On m'a garanti que ce vaisseau spécifique était équipé des toutes dernières innovations en matière de sécurité. J'ai toute confiance en Trident Luxury Lines pour assurer notre sécurité à tous. Je vous demande pardon ? Mais enfin, pourquoi je ferais une chose si insensée ? Mais enfin, pourquoi j'accepterais cette demande totalement... Il faut que je réussisse. Donc là, on est dans la persuasion, il faut qu'elle me file son ticket. Je n'ai pas de temps à perdre. Donc faut que je fasse, faut essayer de gagner sa confiance, mais ça va être compliqué. Enfin, gagner sa confiance. De la persuader, mais je suis pas fan des réponses que j'ai là. J'aimerais bien le croire. J'aimerais pouvoir vous le dire. Croyez-moi. Oh, prenez donc ce satané. Yes. Écoutez, vous pouvez peut-être. Ça me semble pas super logique ce qui vient de se passer, mais voilà. Si le trophée disparaît, nul besoin d'impliquer la société d'assurance. Ah, merci. Voilà, ça a marché. Parce que j'ai mis quelques points quand même en persuasion. Et malgré que les réponses... Ah, Andrea demande à me parler, on va lui parler juste après. Quoi qu'on peut le faire... Bon, ok, on le fera plus tard. On le fera plus tard. Je pense que je vais pouvoir récupérer le trophée, là. Merci. Ça fait chier, je peux rien voler là. Enfin, j'ai pas l'intérêt à voler là. Ah, avec un peu de crédit, c'est cool. Donc ça, c'est bon. Non, faut que je trouve Claudia. Finalement, que le premier objectif est fait, on peut passer au second. Un expert. Ah, du verrouillage. Alors, le verrouillage a changé un petit peu.
Ok. Donc, petit tips hein, pour tous ceux qui font ce petit jeu. Vous voyez, vous devez rentrer les petits crans, en fait, dans les trous. Et globalement, quand vous êtes dans des éléments qui peuvent rentrer dans le trou, qui fonctionnent, en fait, ça se met en bleu. Et en fait, bah, lorsque c'est en blanc, c'est-à-dire que, en fait, l'aligneur, en fait, n'est pas compatible avec les trous qui sont là, en fait. Même si, dans un premier temps, ils peuvent rentrer, ça ne veut pas dire que ça va être le cas. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et ça, c'est un truc qui n'est pas forcément... Enfin, je crois que c'est expliqué au bout d'un moment, mais il faut vraiment faire attention à ça. Ok, je crois que j'ai compris. Celui-là. Ah, il y en avait deux, merde, le con. Ah, je suis con. Ah, je suis traité con. Enfin, merde, j'ai mal vu. Je pensais qu'il y avait deux crans, mais il n'y en avait qu'un. Ah, j'ai le seul. Je crois que j'ai fait le con. Celui-là il rentre pas, celui-là il va rentrer, celui-là il rentre pas, celui-là il rentre pas, celui-là il rentre pas. Ah le con. Ah j'ai plus le choix à l'erreur. Je n'ai plus trop le choix. Ah, le SM en plus, j'ai plus beaucoup d'aligneurs, donc je crois que je vais pas pouvoir réussir. Alors, il y a celui-là, il me paraît pas mal. Celui-là aussi, et celui-là. Ok. Je suis con ou quoi? Je fais vraiment exprès, là. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Celui-là, faut pas que je le mette dessus. Celui-là, il va forcément ici. Ah, parce que même le logo intérieur que je parlais tout à l'heure, du logo qui change de couleur. Mais en vrai... Oh. Je crois que je suis en train de piger un truc. Celui-là, il va aller ici, c'est sûr. Celui-là aussi. J'ai fait une erreur.
J'ai fait une erreur depuis le début. Ah bah non, celui-là, il va rentrer. Ok. Ah mais c'est mort, là, ça rentrera pas. Parce que là, il va rentrer. Celui-là, il peut éventuellement rentrer. Là, il va m'en manquer, hein, donc il y a un truc que j'ai pas fait depuis le début. Oh, je suis dégoûté. Je vais pas réussir, en plus j'en ai plus là. J'ai plus d'aligneur. Voilà, il me dit aucun aligneur, j'en ai plus, donc je peux plus passer. Ah, j'ai le seum, je peux plus ouvrir. Perdu du temps pour rien. En plus j'ai dépensé tous mes aligneurs pour que dalle quoi. Ah, le seum. Pardon, mais je vous connais. Attendez un peu. Vous êtes vraiment en train de me draguer? Écoutez, j'apprécie le compliment, mais je vois déjà quelqu'un et mon partenaire n'aime pas beaucoup la concurrence. Il peut être très jaloux. Sa femme, je... Pour l'amour du ciel. J'avais dit à Larry de rester discret, mais est-ce qu'il m'a écouté? Non, il fallait qu'il impressionne ses amis en me présentant comme un trophée. Écoutez, ça fait longtemps que je suis dans ce milieu, et je sais comment ça fonctionne. Alors passez toutes les politesses et finissons-en. Que faudrait-il pour que nous soyons tous les deux satisfaits? Si je vous donne des infos sur cet enfoiré de Dombrowski, je me mets en danger. Pourquoi je ferais ça? C'est de la convaincre. Vous avez déjà compris un certain nombre de choses. Ah ! Ça ne sert à rien. J'en ai vu d'autres. Près de la galbanque, yes. J'ai dit à Gabriel et à Larry qu'on n'en tirerait rien de bon. Mais ils ne m'ont pas écouté. D'accord, j'ai compris. Vous savez quoi ? Toute cette histoire commence à sérieusement m'énerver. Larry et moi avions établi le plan parfait, avec des milliers de crédits en jeu. Et le voilà qui balance tout dans la cuvette des chiottes. Je ne comprends pas. Votre colère est concentrée sur Monsieur Dombrowski, mais clairement l'échec de ce plan vous incombe aussi. Si vous aviez dû travailler près de lui jour après jour, je pense que vous comprendriez. C'est purement et simplement un sale porc. Ouais, ouais, j'y viens. Larry nous a contactés, moi et cet autre type, Gabriel Vera, un gradé de la sécurité de l'UC. Je régissais les transactions, Larry les effaçait du système et Vera détournait la pression légale de nos affaires. Nous avons escroqué la Galbanque pendant des mois. Tout allait bien jusqu'à ce que je découvre que Larry nous volait en modifiant toutes les transactions en sa faveur avant de les supprimer. J'aimerais en avoir. Vous devriez peut-être essayer de parler à Gabriel Vera. Il est sûrement quelque part par ici. S'il ne veut pas coopérer, vous n'avez qu'à dire mon nom. Ça devrait retenir son attention. Bonne chance, vous allez en avoir besoin. Ok, ok. J'espère que vous n'allez pas rater Dombrowski. Clouez-le au pilori. C'est qu'Andrea veut parler, mais on va attendre un peu. On va se concentrer sur la mission. Bonjour, vous êtes ici pour le gala de charité? Pas vraiment. Dombrowski, c'est le haut responsable qui se trouve dans la zone VIP de la salle de réception. Désolé, mais je travaille pour la sécurité de l'UC, pas pour la Galbanque. Je ne le connais pas personnellement. Ah bon, ah bon. C'est elle qui vous envoie, n'est-ce pas? Écoutez, j'ignore si vous avez forcé sur la boisson ou si vous êtes dingue, voire les deux à la fois. Je ne sais pas ce que vous pensez savoir sur moi, mais vous avez tort. Alors, fichez-moi le camp. Juste au cas où vous ne seriez pas au courant, les autorités, c'est moi. Balancez tout ce qui vous chante, au final, ce sera toujours votre parole contre la mienne.
Et comme je travaille pour la sécurité de l'UC, d'après vous, qui les gens vont-ils croire? Ok, encore un aller-retour. Alors ça, il y en a beaucoup. C'est un peu casse-pied. Le jeu a tendance à nous faire faire plein d'allers-retours tout le temps, et c'est un peu chiant. Ah, il est là. J'ai assisté à ton petit échange avec Vera. Continue comme ça, et je te garantis que cet abruti va te faire arrêter. Ce qui explique pourquoi il te menace. C'est logique. Il va nous falloir des preuves solides pour démonter leur petite affaire. Ça va être compliqué. Le problème, c'est qu'il va pas te parler en public. On doit isoler Vera pour qu'il crache le morceau. Peut-être, mais si jamais ça tourne mal et qu'il parvient à sonner l'alarme, on est foutu. Avec tous ces riches à bord, la sécurité est sur les dents. Ah, pas bête. S'il y a une alerte de ce genre, tous les passagers ont pour consigne de quitter le pont et de retourner dans leur cabine. Je crois que la meilleure option serait de trafiquer les détecteurs du support de vie. Bidouille un peu quelques commandes, et ça fera croire au système de surveillance qu'il y a un pépin avec le support de vie, et hop, tu tiens ton alerte. Votre manque de conviction ne me rassure pas beaucoup. Vous pensez vraiment que c'est une bonne idée? T'en fais pas. Ce sera aussi facile que de frayer avec les invités de la fête. T'auras juste à actionner quelques interrupteurs, et ça sera bon. Encore une chose, si l'ingénieur en chef Sandin te met des bâtons dans les roues, dis-lui que j'oublierai ses dettes de jeu qu'il me doit s'il te laisse tranquille. Bon, je préférerais que tu te serves de ça qu'en dernier recours, mais bon. Que sont quelques crédits quand on est sur le point de retrouver la flotte, hein? Bref, je ferais mieux de préparer mes affaires. Ça va chauffer à vitesse grand V, et il faudra pas bien longtemps à Trident pour comprendre qu'il t'a filé un coup de main. Ok. Avoir à la seconde où tu vas couper le système, si tout possible. Le vaisseau va entrer. Plus tard. J'ai déjà fait cette croisière. Ah oui, un petit truc. Le jeu est bourré de temps de chargement et c'est une vraie plaie. On va parler à Andrea parce que sinon on va pas arrêter. J'ai envie de parler de ce qui s'est passé dans ce temple. Je sais pas trop comment l'appeler. Dans tous mes voyages dans les étoiles, je n'ai jamais vu une chose pareille. Là, elle fait référence à un truc qui s'est passé dans la dernière quête principale. Moi non plus. Et je pense que personne de vivant ou de mort n'en a entendu parler également. Il est trop tôt pour spéculer sur les origines de ce lieu. Mais comment faire autrement? Après tout ce que vous avez vu, vous n'avez pas une idée? C'est dur de dire le contraire, mais les implications... Je suis désolée. Après tout ce qui vous est arrivé, je devrais me soucier de vous. Vous allez bien? Vous avez des effets secondaires? Un cynique dirait que c'est un effet secondaire en soi. Mais pour l'instant, partons du principe que vous avez eu beaucoup de chance. Les artefacts, ce temple, cette nouvelle compétence que vous avez acquise, tout ça est connecté. C'est bien plus important que ce qu'on pensait. Vous avez raison. Maintenant, nous avons encore plus de raisons d'aller de l'avant et d'en savoir plus sur ce qui se passe ici. On ne bouge plus. Les passagers n'ont pas accès à cette zone. Attendez, vous êtes avec le capitaine Rokoff, hein? Je pensais pas vous trouver ici. Veuillez m'excuser. Que puis-je faire pour vous? Oh, désolé, mais personne n'entre. Sans exception. Si ça vous branche, moi j'empêche personne de fixer des modules de support de vie. Je vais vous dire un truc. Je vais tout simplement aller me dégourdir les jambes un peu. Vous pourriez tenir le fort le temps que je m'absente? Let's go. Souvenez-vous de ne toucher à rien, s'il vous plaît.
c'est sûr. Mais les crédits ont visiblement été dépensés uniquement dans les zones que les clients voient. À tous les passagers, s'il vous plaît, je demande votre attention. Le capitaine a décrété l'état d'alerte à bord du vaisseau. Veuillez rejoindre votre cabine dans le calme et le silence et y rester jusqu'à la communication de nouvelles instructions. Merci. Allez, tout le monde dans les cabines. Faut que je monte. C'est bien mieux ici maintenant. Plein de place. Ok. Il faut que je trouve Dombrowski aussi. C'est moi qui ai foutu la merde. Hein. Ah la vache est là-dedans. Tous les passagers sont invités à rejoindre immédiatement leur cabine. Attends, c'est dire que tout à l'heure, j'ai utilisé tous mes trucs pour rien. Ah, c'est magique. C'est magique. Ah, ça fait chier. Un sacré contraste avec les quartiers de l'équipage, pas vrai? Je n'ai pas un Razorback dans mes armes. C'est comment ça s'appelle? Backshot. En plus. Ah oui, il a l'air bien équipé, lui, en armes. À tous les passagers, s'il vous plaît, je demande votre attention. Le capitaine a décrété l'état de... Je me demandais si vous étiez la cause de cette alerte. Bien sûr que c'est moi. Il est temps que vous cessiez vos petits jeux et me donniez la vraie raison de votre présence. Ah, alors, oui, parce que vu que, petit truc sympa, quand tu fais, du coup, quand tu rejoins des factions, du coup, dans certaines situations, tu peux avoir des choix de texte qui sont liés à la faction que tu as rejoint. Et comme bah, j'ai rejoint toutes les factions, j'ai commencé toutes les factions, je les ai pas fait une par une. J'ai fait la première quête quasiment de chaque faction. Du coup, bah, j'ai accès à énormément de, et comme j'en ai terminé aucune, j'ai accès à énormément de choix de dialogue. Donc là, j'ai le choix de la flotte écarlate. Donc, la faction, c'est une quête de faction de la flotte écarlate. Soit je vais partir sur, de la flotte écarlate, pardon, excusez-moi. Soit je vais partir sur l'UC, qui est l'Union coloniale, l'une des factions, entre guillemets, principales du jeu. Vous avez l'air complètement stupide debout sans rien faire. Et soit je la joue de la flotte écarlate, mais du coup lui va peut-être pas vouloir parce qu'il fait partie de l'UC. Soit je la joue de l'UC et peut-être que j'ai plus l'impression qu'il va falloir que je la joue type UC, quoi, type infiltration. La petite opération anti-pirate d'Ikande. Et alors, je n'ai rien à voir avec la flotte écarlate. Et même si je décidais soudainement de rester loyal envers l'UC, pourquoi voudrais-je me compromettre en vous donnant mes preuves? Ça n'a bon, pas forcément marché. Je ne sais pas d'où vous tirez vos informations, mais je rencontre en effet toutes les peines du monde à me faire payer par ce connard. Ça veut sans doute dire que mon argent a déjà disparu. Et que Dombrowski va se barrer avec une sacrée fortune. Ah! J'adorerais voir crever cette ordure. Mais si je vous donne ces infos et qu'elles tombent entre de mauvaises mains, je pourrais finir en tôle. On va te payer. Au moins, je ne repartirai pas les mains vides. D'accord. Marché conclu. Tenez, avec cette tablette et cet enregistrement, vous pourrez l'épingler sans problème. Ensuite, il fera tout ce que vous voudrez. N'oubliez pas que vous avez promis de me laisser en dehors de tout ça. Attendez une seconde. Vous êtes en train de me dire que ce plan a tellement dérapé qu'il implique maintenant la flotte écarlate?
Exactement ce qu'il me fallait. Des ennemis sur deux fronts. Ce n'est pas parce que je vous aide à coincer Dombrowski que je tourne le dos à la sécurité de l'UC. Comment je vais faire sinon pour être sûr qu'il se retrouve derrière les barreaux après tout ce chaos? Non, ne comptez pas sur moi dans votre joyeuse bande de pirates. Merci beaucoup. Dites à Dombrowski de courir. Si vous ne le tuez pas, c'est moi qui m'en chargerai. Là, faut monter, faut que je trouve des escaliers. L'équipe de sécurité vous en fait. Attends, ils sont où les escaliers ici? Je crois qu'ils étaient sur le côté, je crois. Dombrowski. À tous les passagers, s'il vous plaît, je demande votre attention. Le capitaine a décrété l'état d'alerte à bord du vaisseau. Veuillez rejoindre votre cabine dans le calme et le silence et rester jusqu'à la communication. Voyons, voyons. Merci. Vous devez être la personne ayant abordé Claudia et Gabriel. Ah, il se dira que je ne comprends pas trop ce que vous essayez d'accomplir, mais okay. Il semblerait que nous devrions rapidement entamer une phase de négociation. Je crois bien que si. Nous avons une affaire méritant toute notre attention. C'est pourquoi je vais vous demander de bien vouloir écouter les faits avant de continuer. Vas-y, je t'écoute. Premièrement, il est évident que vous avez obtenu des informations concernant mon escroquerie à l'encontre de la Galbank. Sur les moyens employés, peut-être, mais vous n'en connaissez pas le motif. Deuxièmement, je vais émettre l'hypothèse que mes comparses sont déçus du montant de leur part et vous ont donné un coup de pouce dans cette affaire. Et enfin, comme nous discutons de tout ceci et que vous n'avez pas tiré le moindre coup de feu, j'en arrive à la conclusion que vous voulez quelque chose... Il ne faut surtout pas que je le tue avant qu'il me donne les infos, quoi. Il me plaît à penser que je dispose d'une éducation tout à fait complète. Bien qu'on puisse difficilement me qualifier de professeur pour autant. Mais je suppose que votre compliment signifiait aussi que vous rencontriez des difficultés à comprendre ce que j'énonçais. En des termes plus barbares, vous avez en votre possession des éléments compromettants sur ma personne. La seule chose que je puisse vous offrir, ce sont mes identifiants de la Galbank. Et c'est ce que je veux. J'imagine que c'est ce pourquoi vous avez fait tout ce chemin. C'est ça. Non ? Ça va durer encore longtemps. Je commence à avoir mal au crâne. Et restez jusqu'à la communication de nouvelles instructions. Merci. Splendide. Il semblerait que nous soyons parvenus à un accord. Attendez, toutes mes excuses, je vais simplifier ça pour vous. Ah, il parle trop. La vérité, il parle trop. Oh, bien sûr, vous comprendrez que je vous demande de ne plus tenter de me contacter à partir de maintenant. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois déterminer la façon dont je vais ruiner deux associés extrêmement pénibles. Bonne journée. Est-ce qu'on peut se parler un peu ? Du coup, je n'ai plus besoin de le tuer, et ça, c'est cool. Je suis soulagée d'avoir pu être honnête avec vous sur mon passé. Merci de m'avoir écouté. Mais parler de tout ça... Me rappeler ces années a fait remonter des souvenirs perturbants. Merci. Ça compte énormément pour moi. Je vous ai dit que j'ai passé de nombreuses années à travailler avec des contrebandiers aux confins des systèmes occupés. Je travaillais étroitement avec ces hommes et ces femmes. Et avec le temps, nous avons noué des liens. Ils n'étaient pas des héros, mais je les considérais comme des amis. Ce terme décrit les membres de la Maison Varun, nous qui avons été désignés pour annoncer la venue du Grand Serpent et le servir éternellement. En échange, il a promis de s'occuper de nous quand il retournera dans son domaine. Très, je ne m'attendais pas du tout à ça. Essayez de comprendre. On m'a élevé dans la croyance que ceux qui ne suivaient pas le Grand Serpent ne valaient rien, car ils étaient déjà perdus. Leur destin est scellé, pour le pire. Et pourtant... Je rencontrais là des hommes et des femmes porteurs d'espoir, de rêves, de plaisir et d'aversion. C'était comme une petite trahison envers la maison Varun, mais j'aimais mes amis, et je les ai perdus. Oui,
En particulier parce que je ne le comprenais pas à l'époque. Ça continue à me hanter depuis. C'est arrivé si soudainement. Nous nous étions retrouvés sur une planète lointaine pour transférer une cargaison. Et des zélotes sont arrivés de nulle part. Nous avons à peine eu le temps de réagir. Beaucoup sont morts sur le coup. Je pense que mes années d'entraînement m'ont sauvé, m'ont permis de bouger quand les autres hésitaient encore. J'ai foncé dans mon vaisseau, mais je les ai tous laissés. Eren Bascolm et Jedha Wang. Ils étaient mes amis, et je les ai abandonnés. Et jamais je n'ai essayé de les chercher depuis. Non. Peut-être. Je sais pas. C'est arrivé si vite, et j'ai eu tant de temps pour me repasser cet instant dans ma tête. Je me demande si j'aurais dû agir différemment. Je repense de plus en plus à tout ça depuis que je vous connais. À quel point ça n'a pas de sens. À quel point je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé et de ce que sont devenus mes amis. Ma relation avec vous m'a rappelé ce que signifiait compter sur le soutien de quelqu'un. À présent, je ne peux plus vivre dans l'ignorance. Je dois aller jusqu'au bout. Et j'aimerais vous savoir à mes côtés. Je ne sais pas ce que je vais trouver, mais je sais que ce sera plus simple à affronter si vous êtes là. À tous les passagers, s'il vous plaît, je demande votre attention. Merci, c'est vrai. Le capitaine a décrété l'alerte. Désolée, j'ai pas l'habitude qu'on se montre si attentionné envers moi. Je sais pas exactement où ils sont. Mais nous pourrions commencer nos recherches à Aquila City. C'est le dernier endroit où j'ai vu Eren Bascolm. Ok, donc on va avoir une quête avec Andrea. Ok. Parler à Sarah. Ok. Sarah aussi, c'est un des membres que je peux. C'est un des membres de l'équipage. Descends. Donc, l'OIT divisé, rendez-vous à KST. Donc, là, c'est pas une quête de faction, mais c'est une quête qui est liée à Andrea, ça. Voilà, par là. Eh ben, on dirait que tout s'est bien passé. Comme on l'avait prévu. Heureux que tu le penses. N'oublie pas de dire à Delgado à quel point mon aide t'a été précieuse. Au fait, je me demandais pourquoi t'avais tant besoin de ces identifiants. Tu te sens d'humeur à me mettre dans la confidence, partenaire ? Je peux pas trop, non. Ah, donc il t'a demandé de m'écarter. Je vois. Je voudrais pas te faire perdre ta place au sein de la flotte, alors je te laisse tranquille. En tout cas, rien ne m'empêche plus de rejoindre la flotte, maintenant. Il m'en aura fallu du temps. Je te le revaudrai, Tovaritch. T'inquiète pas, je te promets que t'y couperas pas. Bien, j'imagine que nos chemins se séparent ici. Espérons que notre prochaine rencontre aura lieu à bord de la clé. Faut que je retourne à mon vaisseau tranquillement. Il m'affiche plus rien. Non, parce que je n'allais pas dans la bonne direction, tout simplement. Ah si, c'était par là. Ah bah oui, c'est par là. Je me souviens. Hop. Donc là, la mission est terminée. On va se retrouver dans mon vaisseau. L'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. Et on va continuer cette petite quête. Donc à bord de mon petit vaisseau. On va désamarrer déjà. Hop là. Et on va essayer de se TP d'ici au prochain objectif. Libre d'aller où nous voulons. Ok, parce qu'en fait, on n'est pas obligé de passer par le menu. Hop, normalement. Alpha du Centaure. Hop. On y va. On se TP directement.
normalement ça passe. Donc là c'est carrément dans un autre système donc. Hop là, on fait un petit saut spatial, je vais dire saut temporel mais non, un saut spatial. On se retrouvait directement. Maintenez votre cap pendant que nous recherchons d'éventuels éléments de contrebande. Ok, normalement j'ai rien. Nous avons terminé. Autorisation d'atterrissage à New Atlantis. Jimmitson, c'est une des planètes de base. Je crois que c'est la première planète sur laquelle on débarque. Dans le jeu. Allez à New Atlantis. On va atterrir. Il faut savoir un truc, c'est que toute la gestion des menus, elle est catastrophique sur le jeu, j'aime pas du tout. Et notamment tout ce qui concerne la carte, pour se balader de planète en planète. Alors une fois que vous avez exploré un petit peu pas mal de systèmes de planètes, vous allez pouvoir voyager un peu comme je l'ai fait. Sinon en fait, il va falloir passer par le menu. Voilà, si j'y arrive en fait. Et donc vous arrivez sur... c'est pas exactement ce que je voulais faire, voilà. Donc vous arrivez en fait sur la carte d'un système. Donc là en fait, tous les petits ronds en fait, ça correspond à des systèmes. Hop là, quand c'est rouge, c'est globalement vous n'avez pas visité ou que c'est un peu trop loin. Donc vous pouvez par exemple cliquer dans un système. Hop, vous avez un lot d'étoiles. Et à partir de là, vous avez plusieurs planètes avec des satellites autour, donc des lunes, etc. etc. Et vous pouvez, y voyager. Une fois que vous êtes dessus, bah, vous avez des points d'intérêt prédéfinis. Donc vous pouvez atterrir sur ces points définis ou totalement, ou n'importe où en fait, dans le cas de la Terre. Dans l'eau, on va éviter. Mais tant qu'il y a de la terre, vous pouvez atterrir, en fait. Voilà. Et la gestion au début de jeu, elle est assez catastrophique, je trouve. Alors, une fois qu'on s'y fait, ça va, mais généralement, c'est très, très chiant. Donc là, je crois, entrer dans les archives de la Galbanque. Ok. Donc là, on continue la petite mission. Je sais, tout à l'heure, en début de vidéo, je me disais, ce serait bien qu'on ait un petit peu d'action. Et en fait, je pense que j'ai pas forcément choisi la bonne mission. Je pensais qu'on aurait un peu plus d'action. Je pensais que la mission serait partie en couille. Mais c'est pas le cas et c'est pas mal. Donc là j'utilise un peu trop d'endurance. Vous voyez en bas à gauche de l'écran. Voilà, ça en plus que plus vous êtes lourd, c'est-à-dire plus vous êtes lourd, plus vous avez de l'équipement, etc. etc. Ben plus ça va vite. Plus la jauge d'endurance se remplit facilement. Enfin s'utilise plus facilement. Donc là je suis quasiment plein, il va falloir que je me vide quand même. Je vais y vendre 2-3 petites choses. Mais avant, on va effectuer la mission. On va se rendre dans le quartier commercial. Parce qu'on est dans un jeu monde ouvert mais avec des temps de chargement. Il y a des petits soucis de framerate. Quand même. A savoir que là sur le jeu, d'ailleurs j'en ai pas parlé, mais côté technique, on est sur un titre qui manque quand même un petit peu d'optimisation. Dans le sens où. Ce que disait Andrea m'a perturbé. Dans le sens où le titre est très gourmand pour un résultat, pour un rendu visuel qui est un petit peu douteux, j'ai envie de dire. Des fois le jeu est très beau, des fois le jeu est très moche. Enfin, quand j'y ai très beau. De temps en temps, le jeu est beau et très souvent, c'est moche. Et surtout que, en plus, le titre, ben, c'est le même moteur que depuis toujours. Donc, la version de moteur qui a un mode, s'il y a des fuites de tout partout, qu'il y a des bugs un peu partout. Même si c'est vrai que en plus de 30 heures de jeu, j'ai eu qu'un bug et. J'ai eu qu'un crash et quelques bugs, mais qui n'ont jamais entraîné de complications, j'ai envie de dire. Bienvenue aux archives de la Galbanque. Puis-je voir vos identifiants ? Un instant, je vérifie. Oui, monsieur Dombrowski. Bienvenue. Laissez-moi le temps d'entrer votre nom et j'ouvrirai les archives. Moi ? Ah non ? Mais c'est mon premier jour. Vous n'allez pas me dénoncer, hein ? Je veux pas perdre ce boulot. J'ai des gosses. Tout est en ordre. Laissez-moi le temps d'entrer votre nom et j'ouvrirai les archives. Et voilà, passez une excellente journée. L'embuscade... Ah merde! L'embuscade de l'éclipse, il y a de l'action.
crois qu'on peut looter les ennemis, notamment pour les munitions. On peut prendre leurs armes et tout. Donc autant en profiter. Il fait mal, lui. Je suis en train de cramer, là, en plus. Ah, lui, il voulait pas... Il voulait pas cramer. Enfin, il voulait pas canner. La gestion de l'armement, c'est pas mal. D'ailleurs, petit truc, mon arme préférée pour le moment, qui est très très sympa et qui a un plutôt bon feeling. Mais de manière générale, je trouve que, en tout cas, tout ce qui est arme à lunettes, le feeling est dégueulasse. Par contre, tout ce qui est revolver, fusil à pompe, ça va encore. Il y a un petit bridger, des munitions, hop. Donc, qu'est-ce que j'ai looté sur lui? Nouveaux objets. Ah, nice! Donc il y avait Eclipse. Eclipse, c'est une bande de mercenaires. De l'autre côté. Un peu, c'est des pirates, en fait, tout simplement. Je sais pas vraiment ce que je... Ah, voilà. Elle a la clé. Ok, donc la clé, c'est la... Comment dire? La base de la flotte écarlate, qui est une des factions pirates aussi, pour le coup, de... du jeu, tout simplement. On va y aller directement. Donc, il n'y a pas forcément besoin de passer par le vaisseau directement pour y aller. Hop là. Ok, vous pouvez... Ah oui, je porte trop de choses. Ok. Il va falloir que... Oui. Ok. Que je me libère de certaines choses qui peuvent prendre du poids. On va faire ça. On va aller dans tout. On va regarder ce qui pèse le plus. Ça, c'est une... ça faut que je le garde, faut surtout pas que je le jette. Avant, on va aller à la loge. Pourquoi on va aller à la loge? Simplement, c'est l'endroit où j'ai mon coffre, où pour le moment je stocke tout ce que je ramasse. Et comme l'espace est illimité, comme ça je suis pas trop emmerdé avec la place. Parce que forcément on a une limite de poids, en fait je pouvais pas me téléporter, simplement parce que j'avais trop de choses sur moi. Ok, l'inventaire. Alors, c'est déjà tout ce qui est divers. Plutôt de nourriture, on s'en fout. Ça, je vais garder. Et c'est surtout les ressources, voilà. Donc, toutes les ressources, vous allez voir que ça... Parce que j'ai dû en ramasser pas mal. J'étais à 185. Hein. Donc là, je suis en train de tout transférer dans mon coffre. Et c'est en train de bien descendre.
comme ça, j'ai pas trop de poids sur moi. Un épisode de soins, faut faire. Ça prend pas trop de poids, mais je commence à en accumuler, donc il va falloir que je les utilise aussi. Tous ces trucs-là. Ok, let's go. Sauvegarde rapide. On embarque et normalement, comme j'ai tout réussi sur la quête, techniquement Delgado et Naiva, Delgado qui est le chef de la Faute Écarlate et Naiva son second, ouais, devrait être plutôt content, je pense. Attends, je sais plus où c'est. Bon bah les deux sont là. À bord de la clé. Il m'a tout raconté. Et il arrête pas de parler de toi. Il bavasse, il bavasse. Je me souviens maintenant pourquoi on l'avait chassé de la flotte. Ah tiens, c'est une première. C'est bon, Naeva, tu m'as convaincu. Bon, puisque tu réponds Drokov, on peut lui donner une seconde chance. Bien, puisque cette question est réglée, passons au sujet qui nous intéresse. L'héritage de Krix. À ce propos, montre-moi les données que t'as tirées des archives de la Galbank. Donc le vaisseau de la Galbank aurait disparu au-dessus de Bannock 4. Bannock. Ça me dit quelque chose. Naeva ? Ouais, ouais, t'énerve pas, je cherche. Et là, voilà. Bannock 4. Alors, merde. Bannock 4 est une géante gazeuse de classe EM. On ne peut même pas s'en approcher sans griller tous les circuits. L'approcher avec n'importe quel vaisseau serait du suicide. Bien sûr ! Je te propose de recouvrir ton vaisseau d'une tonne de cuivre et de t'envoyer là-bas. Ça devrait faire l'affaire, non? Bouclez-la, vous deux, et réfléchissez une seconde. Je suis certain que Krix s'est retrouvé coincé, lui aussi. Il suffit de trouver comment il a contourné le problème. C'est rien d'autre qu'une perte de temps. T'as raison. C'est l'essence même de la Flotte Écarlate. Et elle s'était un peu estompée ces derniers temps. Naeva, les données indiquent que le vaisseau est équipé d'un transpondeur CBR-27. On peut retrouver ce genre d'appareil et le localiser? C'est un transpondeur militaire. On parle d'un chiffrement en ultra-bit qui change constamment de fréquence. On n'a pas ce genre de matos ici. Mais avant de me faire ta grimace habituelle, j'ai entendu dire que l'UC travaille sur un système embarqué de déchiffrement appelé le Comspike. Ah. Si on met la main sur cette petite beauté, on pourra traquer tout ce que tu veux. Ok, voilà le plan. Taisez-vous et écoutez-moi bien. La bleusaille, Naeva et toi allez collaborer pour mettre la main sur le Comspike. Même si vous devez grimper sur le toit du TAMS, je le veux. Pendant ce temps, je vais étudier notre problème de géante gazeuse de classe EM. Et je sais déjà qui va m'aider. Laisse-moi un peu de temps pour décortiquer les chiffres avec Jazz. Et je nous trouverai la direction à prendre. Je vous le promets. Tu vas tout raconter à ton journal intime maintenant? C'est bon, ça suffit. L'héritage de Krix est à portée de main et je n'ai pas le temps de gérer vos enfantillages. Maintenant, fichez-moi le camp d'ici et mettez-vous au boulot. Bien, finissons-en. Suis-moi. Ok, on suit Naeva, on va lui rendre son objectif et ce sera la fin de la mission. En tout cas, de cette partie de la mission et je pense qu'on s'arrêtera là pour cette première vidéo sur Starfield.
jour, on réussira à mettre tous les systèmes occupés à notre botte. Ah, elle va où, là? Où est-ce qu'elle va, là? Je pense que l'IA s'est plantée, là, en fait. L'IA s'est complètement plantée. Ah là là. Merde, tous les persos, je crois que tu dois les suivre. Enfin, les persos que tu dois suivre, ils sont toujours ultra lents, c'est chiant. J'ai pile ce qu'il faut si tu veux rester hors des radars. Bien, allons droit au but. Tu m'as rapporté le trophée du sauveur de la Terre, ou je vais être très déçu. Tiens donc, regardez-moi ça. Tu as suivi mes directives, ce qui va te valoir quelques crédits supplémentaires. Évidemment. Il y aurait eu plus d'argent pour toi si t'avais pas tout déballé à Rokoff. Mais c'est pas ma faute. Bref, voilà ton argent. Continue comme ça et je commencerai peut-être à te respecter. Allez, la flotte. On a tous du pain sur la planche. Alors on s'y met. Ok, bah la mission est terminée. Pour le coup. Comme je suis en fait, un truc du coup, c'est que en fait, je suis. Dans la flotte écarlate, je suis infiltré par rapport à l'UC. Donc en fait, je bosse pour l'UC, je suis infiltré dans la flotte écarlate. Donc là, il va falloir que j'aille faire mon rapport à mon chef. Voilà un petit peu le délire. Donc il va falloir que je le tienne informé de toutes les évolutions. Elle est à moitié plantée dans le mur, à moitié en train de trembler. Enfin, c'est aussi ça, Starfield, quoi. C'est un jeu Bethesda, quoi. Donc les petits potes, en tout cas, j'espère que cette première vidéo sur Starfield vous aura plu. On va se retrouver très prochainement pour la suite de mes aventures. Allez, ciao tout le monde.